Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie du tutoriel précédent, qui était pour retarget MetaHuman, suite à un commentaire que j'ai eu par rapport aux mains du personnage qui n'était pas animé. On va voir ça tout de suite, c'est pas très compliqué, c'est exactement le même, encore une fois, c'est le même principe que pour le reste, mais c'est un peu plus long, je vous explique ça tout de suite sur l'écran, let's go. Ce qu'il faut faire pour pouvoir retarget les mains du personnage, que vous voyez bien que là ce n'est pas bon, alors que dans l'animation du mannequin du E4 les mains sont pliées quand il court et ainsi de suite. Donc on va réouvrir nos Aiki Rig ainsi que notre Aiki Retargeter. Voilà. Donc là, je vais changer le mesh, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai changé le preview du mesh. Mais le squelette est le même, vous inquiétez pas. Du coup, donc là, il va falloir faire exactement le même process qu'avec les autres os de votre personnage. C'est-à-dire, il va falloir que vous appliez vos doigts à l'unité, donc tous, donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Et pareil pour la main gauche et la droite. Et de même pour le métal. Voilà, du coup vous voyez, donc là on a rajouté tous les doigts, donc les 10 doigts de la main. On va vérifier ça, donc du coup on a le pouce gauche ici, voilà, il est bon, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, et de même du coup dans le droit, tac 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 et tac, nickel. Du coup, ceci est fait, on peut save du coup notre source et on va faire la même dans le target. A tout de suite. Bon, voilà. Du coup, là, on a setup les squelettes des mains, donc des doigts. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que sur le MetaHuman, vous avez un os en plus au niveau des doigts, qui est le métacarpal, que vous n'avez pas sur les pouces, mais que vous avez sur les autres doigts. Il ne faut pas le sélectionner en tant que os de départ, étant donné que si vous regardez votre main, vous voyez là, vous avez votre main du coup avec les os, le métacarpal correspond à celui-ci. Celui-ci, vous voyez bien qu'il ne bouge pas, théoriquement parlant, quand vous animez votre main. Du coup, il faut sélectionner donc les trois os ici, celui qui permet d'avoir votre doigt qui se plie comme ça. C'est tout. Ensuite, du coup, le process est exactement le même du coup que pour les autres os dans l'ancien tutoriel. Vous sélectionnez du coup les os, donc le thumb 0, 1, L jusqu'au 3, et ainsi de suite pour tous les doigts, donc gauche et droite, pouce à auriculaire. Donc, ceci étant fait, on a fini de setup du coup les doigts dans notre petit squelette target et source. Vous voyez que on est bon. On va faire un truc pour éviter d'être perdu. On va ranger
par ordre, du coup left R, left right pour Unreal. Donc vous cliquez droit sur un des os et vous faites source chains. Et pareil ici, comme ça au moins on se rassure que ce soit rangé dans le même ordre, c'est-à-dire que ça va de la gauche vers la droite. Ensuite, on va aller dans notre new Aiki Retargeter. Ce, je ne l'ai pas renommé, sauf si vous, vous l'avez renommé du coup, ou il n'y a pas de souci. C'est le même fichier Aiki Retargeter que l'on a fait dans la vidéo précédente pour animer notre personnage. On va juste là préciser que la main est là en plus. Du coup, moi ce que j'ai fait pour avoir un aperçu, parce que si vous avez bien vu dans la précédente vidéo, nous étions comme ceci, et que là si on cliquait sur run on avait l'animation du pantalon, mais là du coup ce qu'on veut c'est voir les mains, et là on voit pas les mains. Du coup on va sélectionner un mesh, donc là c'est le premier, c'est F med machin, sauf que moi je vais mettre le mâle, du coup c'est celui qui nous intéresse le preview. Bon, on est tombé sur le mauvais, c'est pas grave, mais ça marche aussi. Du coup, là, vous voyez très bien que dans notre animation, les mains ne sont toujours pas animées et c'est tout à fait normal. Du coup, vous allez aller dans Chain Mapping. Et là, vous voyez, on n'a pas du tout les doigts. Donc, Auto Chain Mapping, et là, vous voyez, il va refresh le squelette. Et là, il nous a refresh du coup tous les os qui correspondent à nos fichiers source et target Aiki. Et là, vous voyez, les mains, elles sont setup. Alors, il y a encore quelques couacs. Bien évidemment, vous voyez que c'est niqué. Mais je ferai une prochaine vidéo parce que là, du coup, j'ai pas encore taffé sur ça, je vous avoue. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, vous savez comment animer les doigts de votre personnage avec MetaHuman ou tout autre. Bon, du coup, c'est un tutoriel assez court. C'est un tutoriel supplémentaire par rapport à la vidéo précédente, on va dire. Il est un peu complémentaire de l'autre si vous voulez du coup animer vos doigts de vos personnages. Pour cela, c'est tout, du coup. Je vais travailler sur comment faire pour régler les doigts qui sont un peu déformés, du coup. Pour pouvoir pallier à ce problème là, mais au moins vous voyez qu'il est, il faut animer, il faut créer un squelette, il faut riguer entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais il faut retarget et riguer du coup les os que vous voulez animer. Ça moi je le savais pas, hein, j'ai découvert ça hier soir, j'ai cherché un peu, je me suis dit si je faisais exactement la même chose que machin, ce que j'ai fait et ça a fonctionné nickel. Reste juste du coup à fixer les doigts MetaHuman qui partent un peu dans tous les sens, mais ça c'est pas grand chose, il y a plein de tutos, je vais me renseigner et je vais le faire. Et je vous en ferai part du coup en français pour que vous puissiez faire librement et continuer vos projets avec vos animations, etc. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait extrêmement plaisir de voir que les gens, ça les aide, etc. Donc merci à vous et puis à la prochaine.